Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui nous allons répondre à une question cruciale. Combien faut-il dépenser dans Rock pour être un minimum et un maximum au niveau attendu? Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous ne pouvez pas le rater. Aucune excuse pour ne pas venir sur le Discord, vous avez aussi le raccourci à droite sur l'overlay. Pas d'excuse, venez nous rejoindre les amis, vous aurez toutes les infos, tous les screens et bien plus encore. Les amis, déjà vous l'entendez, j'ai commencé à retrouver ma voix. Alors c'est pas parfait, ça va peut-être déconner sur le colossal, on verra ça en fin de vidéo. Mais en tout cas, c'est beaucoup mieux à présent. On va donc pouvoir discuter sur ce qu'est la bonne dépense dans Rock. Alors vous avez bien entendu, j'ai dit combien faut-il dépenser dans Rock et non investir dans Rock. Rock, c'est pas un investissement, hein, c'est pas un petit plan d'épargne. Tout ce que vous mettez dedans, c'est perdu. La seule chose que vous y gagnez, c'est du plaisir, c'est un loisir. Et donc comme tout loisir, il faut se fixer un budget dans la mesure du possible pour éviter de faire n'importe quoi et dépenser juste ce qu'il faut. Alors déjà, commençons par le profil pur free player. Si vous ne mettez pas d'argent dans le jeu, qu'est-ce que vous pouvez espérer et quelles vont être les contraintes? Pour ça, je vais aller sur un de mes comptes de farm. On va aller sur Babatou. C'est mon compte de farm le plus vieux. Babatou, je l'ai créé, je dirais, il y a plus de 2 ans. C'est un de mes c'est mon premier compte de farm. Vous le voyez, il n'est qu'à 52 millions de puissance. Je m'y connecte tous les jours sur ce compte. VIP 12, il a nombre de jours consécutifs de connexion 1272. Donc non, je l'ai créé dès le début du jeu. En revanche, avant, j'étais pas assidu. J'ai été plus assidu sur lui. Je l'ai créé depuis le début du jeu. Je n'ai rien dépensé comme argent sur ce compte, sauf le pack qui permet, je ne me rappelle plus du nom, hein, le pack d'évolution qui va vous donner quand vous arrivez au niveau 25 un total de 80 000 gemmes. Pourquoi? Juste pour avoir les T5. Donc j'ai dépensé très précisément sur ce compte 14,99 € ou 90, soit 15 €. C'est tout en 3 ans. 15 € sur ce compte juste pour débloquer les T5 plus rapidement. Donc vous le voyez, il a un bon niveau, il est à 52 millions. J'ai fait descendre, hop là, c'est là que je vais aller. J'ai fait descendre sa puissance pour pouvoir migrer. Sinon, il était à 75 millions. Donc, vous pouvez avoir une très bonne puissance, même en étant free player. 75 millions, vous le voyez en nombre de morts, ben, c'est pas non plus le truc de ouf, mais 5 millions et demi quand même. Là où il est nul, c'est en point de meurtre. Forcément, je n'ai pas combattu avec, donc il n'a que 27 millions de points de meurtre, mais les 5 millions de morts, c'est pas mal, c'est pas dingue, mais c'est pas mal, normal, hein. Je me suis déjà fait 0 seconde sur mon tout premier serveur sur lequel il était. Il était déjà pas mal. J'ai subi plusieurs assauts. J'ai déjà combattu avec, mais un tout petit peu seulement. Du coup, quelle limitation vous avez quand vous avez un compte à 52 ou 75 millions? Encore une fois, je pourrais le remonter largement si vous voyez les stocks vu que je les claque pas. Si on regarde au niveau des boosts, des accélérateurs, normalement, j'en ai un petit peu et j'ai de quoi faire des troupes un petit peu. Voilà, 2200 de 60 minutes, j'en ai un peu de 24 heures, un peu de 3 heures. Donc, je pourrais refaire des trous, je pourrais monter de 10 millions ou 15 millions. Et j'aurais pu donc être à 90 millions si je n'avais pas eu besoin de migrer. Donc, quel est le problème quand vous êtes un free player pur? Ça va être au niveau des commandants. Et c'est là que la différence va se faire. Évidemment, si c'est un compte que vous jouez et que ce n'est pas un compte de farm comme moi, vous aurez des commandants plus haut niveau que moi. Moi, j'ai un petit peu de stock de statut, mais pas énormissime. J'en ai 950, donc je pourrais expertiser un commandant et demi, voire deux si je commence par exemple par Martel qui est déjà en 5-5-2-5. Je pourrais le monter en 5-5-5-5 et monter un Scipio et faire un binôme avec, ou mettre un Scipio avec un Guan par exemple, puisque Scipio, ah non, Scipio je l'ai pas, ou je l'ai déjà, Scipio je l'ai pas. Mais sinon vous voyez, j'ai quand même pas mal de commandants débloqués, j'avais pas vu. J'ai même Alexandre sur lequel je peux monter. Donc la limite pour un compte free player, la différence va se faire au niveau du stuff.
et même si là il est pas mal hein, au niveau du stuff et au niveau des commandants, vous pourrez avoir une bonne puissance, mais vous allez galérer pour vraiment les commandants si vous n'investissez rien dans le jeu. Même si encore une fois vous serez plus haut que ce compte là, puisque ce compte là je ne fais pas d'even avec. Ça c'est pour le compte free player. Si vous ne dépensez rien, je vous conseille quand même d'essayer d'économiser 15 balles et de prendre le pack que je vous parlais, qui est tout en bas normalement, je ne me rappelle plus de son nom, mettez-le moi en commentaire. C'est le dernier et c'est le pack qui vous aide à construire et que chaque fois que vous atteignez un palier d'hôtel de ville, il va vous donner des gemmes. Retournons donc sur mon compte principal pour nous pencher sur les dépenses moyennes et ce que je vous conseille de mettre pour arriver à un niveau, je dirais, qui va être satisfaisant. Déjà, la première chose à faire, si vous voulez vous fixer un budget, je pense que un budget minimum pour pouvoir s'amuser, évidemment, on reste pas free player là, vous pouvez rester free player et vous éclater. Mais si vous voulez quand même pouvoir assurer durant certaines phases, hein, il y a un bundle qui pour moi est obligatoire, c'est le dépôt d'approvisionnement de 30 jours. En gemmes, il va vous coûter 10 balles par mois et avec ces 10 balles, vous aurez tous les jours des gemmes. Franchement, moi, je le prends tout le temps. Je dirais que c'est vraiment celui qu'il faut prendre. Et là, on parle hors KVK. Hein. Je vous parle vraiment hors KVK parce que les techs, là, c'est des choix personnels. Et même sans prendre les techs, vous pouvez quand même vous amuser en KVK. Mais là, les gemmes, c'est de la balle. Les gemmes, c'est la vie. Les gemmes, on kiffe de ouf. Donc, les amis, c'est le seul si vous devez en acheter qu'un. 10 balles par mois, vous prenez ce pack. Ça, c'est le stade, je dirais, vraiment minimum. Ensuite, au niveau des lots de valeur, bon, vous pouvez ne rien prendre. Pareil, les offres spéciales journalières, vous pouvez jamais en prendre. Les lots spéciaux de ressources, pareil, et les magasins de gemmes, même si moi, c'est tous pris à l'époque, avec le bonus 50%, pareil, vous n'êtes pas obligé de les prendre. Quand les packs vont pop, certains packs, les packs événementiels, c'est là qu'il faudra investir. Vous le savez, je vous l'ai montré dans toutes les vidéos, chaque fois qu'on a un nouvel event, on a un pop d'un pack qui est lié à l'événement, genre on va avoir le pack d'Halloween bientôt, le pack de Thanksgiving. Ces packs-là, il faut les prendre, ils sont toujours très intéressants. Donc, avec un petit investissement, je dirais de 30 à 50 euros par mois en moyenne, vous pouvez, allez, disons 50 euros par mois, vous pouvez avoir un compte d'un niveau très convenable. Ça sera le palier 1. 50 balles, vous allez prendre donc avec vos 50 balles votre pack d'approvisionnement à 10 euros. Et je compte 75 euros tous les mois et demi à peu près pour les packs spéciaux avec le cumul, hein, les packs événementiels. On va se faire une moyenne, voilà, on dit 50 euros par mois, vous aurez déjà un compte d'un niveau pas mal. Ça va pas être un truc de dingue, mais ça reste acceptable. Ça, c'est l'étape, je dirais, une, le package niveau 1. Ensuite, si vous voulez monter et avoir un compte plus robuste, il va falloir réussir à avoir plus de sculptures en or et réussir à pouvoir crafter des équipements. Vous voyez, moi, j'ai des stocks de dingue. Je peux quasiment tout crafter en légendaire parce que j'accumule, je stocke et je prépare justement pour les bons moments où il faut investir. Si vous voulez monter d'un niveau, il va falloir réussir à investir durant les plus que des gemmes. Il va falloir être en mesure d'acheter dans le store VIP, notamment au moment du plus que des gemmes. Vraiment, c'est lié, hein. Vous achèterez des sculptures ou du craft. Donc, faut avoir un niveau de VIP suffisamment élevé. Aller au niveau VIP 15. L'estimation que j'en ai faite des dépenses qu'il faut faire pour aller chercher un maximum durant les différents events, ça va être ça. Dépôt d'approvisionnement à 10 balles, évidemment. L'offre spéciale journalière à 5 euros. Donc, déjà, ça, c'est tous les jours. Donc là, on commence vraiment à être sur un autre budget puisque tous les jours, ça fait 150 euros, plus les 10 euros, on est déjà à 170. Je rajoute les 40 euros d'avant qu'on investit dans les packs K-pop, on est déjà à 200 euros. Après, des petits achats par-ci, par-là, de lots de valeur, par exemple, pour en tenue. Il y a le pack en tenue. On en prend 2, 3, 4 par mois. On va se retrouver autour des 300 euros. Donc, on passe de 50. Évidemment, le jump, la marche est un peu haute, à 300 euros. Si vous investissez
300 euros par mois, ça représente un vrai budget là. Et vous aurez un compte vraiment, de mon point de vue, qui commence à être solide. Faut savoir que la plupart des joueurs hein, n'investissent quasi rien, mais quelques euros, voire maximum 10 euros dans le jeu. Donc quand vous passez sur une gamme déjà à 50 euros, vous allez commencer à être bien. Et 300 euros, là, vous n'êtes pas une baleine, vous n'êtes pas un kraken, vous êtes un tout petit dauphin peut-être. Mais vous commencez à être vraiment, vraiment bien. Certains vont vous dire, c'est que dalle, 300 balles par mois. Non, on sait tous, c'est énorme, 300 euros par mois. Et encore plus dans un jeu, sachant que c'est un plaisir. Hein. Donc, vous êtes vraiment là sur une bonne tranche. La tranche d'après, qui est du moins la plus haute, puisque elle va aller jusqu'à l'infini, c'est si vous voulez être en bonne position sur tous les events, sur le KVK, sur les commandants, pouvoir toujours les claquer avec un nombre de gemmes suffisantes pendant les roues de la chance, hein, et les avoir tous ou presque tous, parce qu'après, il y a le MGE. Là, on est carrément sur un autre budget. Et encore une fois, je n'intègre pas le prix des technos durant le KVK. On va monter sur un budget plus haut, puisqu'il va falloir aller chercher le pack de dépôt d'approvisionnement, comme je vous l'ai dit, sur les gemmes. Le magasin de gemmes, on évite dès qu'on a plus les 50%. Le lot spécial de ressources, on ne vend pas aussi. On prend toujours le petit prix grande valeur et on va prendre plusieurs lots de valeur. On va investir déjà dans les lots de valeur de machine de guerre, qui est très utile, même s'il n'est pas le plus performant. Nouveau monde, si vous voulez des passeports, ça peut toujours servir. Et en tenue. Donc en tenue, on va aller le chercher complètement. On va pas aller le chercher complètement tous les jours, mais on va aller, sachant que si on va le chercher complètement, on est déjà à 400 balles. Donc on va aller le chercher une fois par mois complètement et on sera donc sur une base de 400 euros déjà. Et une fois par mois, on peut aller plus haut. Ça vous permet d'avoir du stock. Machine de guerre, pareil. On va avoir du stock d'accélérateur de ouf. On va se retrouver déjà aussi là à 800 euros. Donc là, on claque. Et encore une fois, je vous le dis, on le fait qu'une fois par mois. Certains le font bien plus souvent que ça. Ensuite, 800 euros, c'est pas mal. C'est même énorme. Ou 800 euros, on rajoute les 200 euros qu'on met sur le pack d'approvisionnement, sur le lot de ressources, l'offre spéciale journalière. On est sur une base de 1000 euros mensuels. Cette base de 1000 euros va vous donner un certain nombre de gemmes et c'est pas fini. On va devoir aussi acheter certains packs qui vont pop temporairement. Par exemple, les écrivains de l'histoire quand on va avoir un nouveau commandant ou on va aussi devoir aller chercher la seconde file sur l'héritage divin dans les parchemins de Lucerne. Moi, parfois, je vais la chercher quand quand l'item de parchemin m'intéresse pour le craft hein, sur le niveau 50. Donc là, on rajoute encore, si on débloque, hein, on rajoute encore 20 balles. D'ailleurs, j'ai l'impression que ça a augmenté. Hein. On rajoute 20 balles sur cette file-là, mais là, c'est un achat définitif qui va durer un mois et demi. Donc, si on met tout bout à bout comme ça sur les packs que je vous ai dit, plus les packs événementiels, plus les pop, on va se retrouver sur un budget assez conséquent. Hein. On est sur du 1500 euros. Là, vous avez plusieurs profils. Je vous ai montré le profil à 0 euros, ce qu'on peut espérer avoir. Le profil à 50 euros, qui commence à être plutôt pas mal par mois. Le profil à 300 euros, qui pour moi est un bon profil, un bon compromis. Et le profil à 1500 euros, voire plus. Hein. Mais au-delà, c'est vraiment les kraken, c'est vraiment ceux qui ont beaucoup trop d'argent, je dirais, ou du moins qui ont suffisamment pour investir sans limite dans Rock. Grand bien leur face. Mais de mon point de vue, si vous arrivez déjà à mettre 1500 balles dans ce jeu d'activité, vous serez déjà un très très bon. Aller au-delà, c'est vraiment parce que vous avez rien d'autre à faire de votre argent. Mais déjà, encore une fois, hein, 50 euros reste un beau budget, vous serez très très bien. Pour ceux qui se posent la question, ok, si on veut un compte comme le tien, c'est quoi le budget? Un compte comme le mien, je suis un profil intermédiaire. Je ne suis pas un gros dépensier, je ne suis pas un petit dépensier. Regardez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. J'ai 26 commandants expertisés. Il m'en manque 6 des commandants légendaires. Donc j'ai 26 expertisés sur les 32 du jeu disponibles actuellement. Je suis un profil intermédiaire. Alors oui, j'ai des commandants qui sont pas expertisés, mais qui sont très hauts. Hein. Mon Artemis en triple 5-1, par exemple. Ma Mulan en 5-5-3-3, donc en triple 5-1 également. Donc j'ai même Moluche, j'ai même monté parce qu'il sert à rien, par exemple. Barca.
Donc, j'ai quand même un compte qui est plutôt sympa. J'ai des items pour ceux qui ont suivi la vidéo d'hier. Vous demandiez, je vous ai dit, je vous répondrai. La cape de l'espoir, je l'ai craftée et je l'ai eu la chance de la critique. Hein. Magnifique. Hein. Vraiment, un gros tirage hier. J'ai du stuff sympa sur ma Zeno, sur mon Guan. Bref, mes équipements sur. Alors, lui, c'est insane sur mon Xanyu. Mes équipements sont plutôt sympas sans être au max. J'ai un compte plutôt très sympa. Au niveau du stock. Vous le savez, j'ai des stocks insolents, j'ai 223 000 gemmes, j'ai enfin insolents. Ça reste petit par rapport à bien des joueurs, dont un je vais vous montrer après. J'ai un petit stock de gemmes qui est sympa. J'ai un stock d'accélérateur qui est très sympa également, donc j'ai pas de souci par rapport à ça pour le stock. Les équipements, pareil, je vous l'ai montré, je pourrais crafter n'importe quoi. Un compte comme le mien, je vous conseille pas déjà de le monter from scratch aujourd'hui. Je ferai les choses totalement différemment. Si je devais revoir mon compte, il y a des choses, des investissements que j'ai faits qui étaient pas judicieux, des KO, j'aurais jamais dû le monter. Mina aussi, franchement, j'achèterais plus les coffres aujourd'hui parce qu'il est obso. Un compte comme le mien, si vous investissez, je joue depuis 3 ans, hein, n'oubliez pas. Je pense qu'on serait sur un profil d'investissement mensuel si je lissais 300, 600 euros par mois sur une longue période. Après, vous pouvez avoir des périodes moindres. Après, vous pouvez avoir des périodes plus hautes. Mais sur cette gamme d'investissement, je pense qu'avec le temps, vous aurez un compte qui peut ressembler à un compte comme le mien sans problème. Sans problème, si vous faites les bons choix, votre compte sera même mieux que le mien avec cette base d'investissement. Donc, vous le voyez, il n'y a pas besoin de dépenser mensuellement des milliers d'euros pour avoir un compte. Mon compte, moi, je le considère plutôt correct. Hein. Certains vont vous dire que c'est de la merde, grand bien leur fasse. Mais il est plutôt correct de mon point de vue. En tout cas, il me permet de faire tout ce que je veux. Voilà, j'espère avoir fait le tour complet de toutes vos questions sur combien investir dans Rock pour avoir un compte efficace. Donc, je vous le redis, le minimum de mon point de vue. Alors, on peut dire le minimum, c'est le free player. Ouais, mais le minimum, le dépôt d'approvisionnement en gemmes de 30 jours. Franchement, faut les trouver ces 10 balles, faut les mettre parce qu'ils sont quand même bien bien utiles et vous permettent d'avoir un petit stock sympa et de pouvoir faire des petits achats sympas. Donc pour moi, ça c'est vraiment le minimum et puis après on monte sur les autres gammes, hein, donc 0, 50 euros, autour des 300 euros et après on peut monter à l'infini. Hein. Je vous ai dit un excellent compte, 1500 par mois, mais oui, mais 1500 par mois c'est une cartouche de ouf. Hein. On est d'accord, mais il faut bien le dire. On a des joueurs qui investissent des dizaines de milliers d'euros par mois. Il y a des gens qui sont fortunés. Donc 1500 euros, c'est une vraie somme. Mais pour moi, c'est le palier haut. Et après, il y a bien plus haut, évidemment, quand on passe sur les Kraken. Mais déjà, là, on est sur les hauts comptes. Moi, je pense encore une fois que ça n'engage que moi. Mais sur 50 euros, on est déjà pas mal. Donc voilà, vous avez toutes les cartes en main. Pour finir cette vidéo, on va voir si Lilith m'accorde de la chance aujourd'hui. Je vous disais, depuis que je rediscute avec eux, est-ce qu'ils ont changé mon compte? Est-ce qu'ils ont été plus généreux avec moi en se disant, ouais, maintenant il est sympa, on va débrider son compte, on va arrêter de le limiter et de lui donner la poisse. On va voir, d'ailleurs, chez le plus grand gouverneur, tac, 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 on va ouvrir tout de suite le tour. Je vais faire mes tours de roue de la chance, on va voir. Je fais mon tour gratuit, on va voir à combien ça me positionne. Une sculpture, tranquille, à croire que cette roue de la chance, elle est insane. Je vais refaire mon tour payant. Vous allez m'insulter à force, j'ai l'impression. La chance a bien tourné. Bon, là, j'ai du bois éclaté. Est-ce que je fais un petit tirage x3? Allez, je vais faire un petit tirage x5 pour voir si c'est what the fuck ou pas. Une sculpture, très bien, c'est le minimum. Hein. Est-ce qu'ils m'ont donné 8 sculptures? Non, mais là, 10 sculptures, là c'est pas possible, redonne-moi 11 sculptures, c'est n'importe quoi. Et j'ai cru qu'il allait me redonner 8 sculptures, j'allais dire c'est abusé. Bon, bon, je vais refaire un petit tour. Là, vous voyez, j'ai des gemmes, ça me permet de vous faire des tests. Hein. Pour le coup, je refais un petit tour, je vais aller à 25 offres. Hein. Là, pour le coup, parce que c'est abusé quand tu fais des tirages. Une sculpture générique, ok, donc à 3500, c'est pas ouf, mais est-ce que ce tirage va être bien ou éclaté? Ah, quand il me donne des étoiles, en général, c'est un tirage éclaté. Il me redonne des étoiles, donne-moi 8 sculptures et puis on sera copains. Non, il m'a redonné des étoiles. Ce tirage-là, il est plus traditionnel par rapport à ce que j'avais l'habitude. Vous ne m'insulterez pas trop, je dirais, et je vais chercher le 25 tour, évidemment, même si Harald, ouais, si tu me donnais un truc qui était insane, là, c'était abusé. Je prends mes 25 tours. Alors, le 25 tours, ça donne 5 sculptures génériques. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais
Ça se prend. Vous le voyez, avoir un petit stock de gemmes, quand vous êtes dans une période de chance comme moi, eh bien, ça permet d'investir tranquillement. Bon, je suis tombé sous les 220 000 gemmes, donc c'est un petit peu... je préfère être au-dessus des 220 000 gemmes actuellement, mais c'est pas grave, je remonterai au-dessus tranquillement. Voilà, écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Si c'est le cas les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez les amis, ça me fait très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous, faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock.